she doesn't come back. Salut tout le monde, c'est Takup pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la Tech Aventure saison 3 modé épisode 16 en compagnie de Rémi LV. Salut à toi. Oui, je suis toujours là. Donc, depuis 3 épisodes. Donc dans cet épisode les amis, on va se faire une Poisonous Sword. En off, je suis allé tuer des Jit Stingbug. T'inquiète, c'était quand t'étais pas là Rémi, toi tu sais pas. C'était entre deux épisodes, je m'ennuyais. Il y a longtemps en fait, du coup je suis allé, je les ai tués. Donc voilà. Comment ça se craft? Voilà, c'est ça. Et il y a quoi? Des Kraken rappel. Bon, ok. Faudrait alors peut-être que je reste un peu. Encore quelques épisodes pour t'expliquer plusieurs choses. Mais bon, je pense que tu vas pas vouloir, donc je vais pas insister. Ouais, dernier épisode de Rémi. Vous lui direz vos adieux dans les commentaires, les amis. Non, pas d'insultes dans le chat. J'ai failli, mais pas d'insultes. Voilà. Alors, on va tout de suite se faire l'épée en émeraude. Donc, je pense que tu vas avoir de quoi aller dans une des 5 dimensions, parce qu'il y a pas mal de fourmis. Cool, mais j'irai dans longtemps. Je pense. Alors, voici du la... Genre, oui. Du genre, c'est quoi ta liste des choses à faire? Ah bah ça on le dit pas, t'as qu'à regarder les épisodes et tu verras. Alors voici la Poison Sword les amis, qui est déjà enchant, charme ça, bon ok. Et puis moi je vais essayer de trouver des spawners à fourmis. On va en ouais. Pour que Tech n'ait pas besoin de faire 10 fois le tour de la map pour en trouver. La Poison Sword, hop on va la laisser là. Je me demande si les fourmis ça donne de l'XP, comme ça fait une méga usine à XP. Peut-être qu'ils en donnent mais pas beaucoup je pense. Ouais mais vu la quantité qu'il y en a, Atium. Depuis le temps les amis, ça a commencé à pousser hein, nos plantations. D'ailleurs au niveau des melons, faudra peut-être que tu fasses quelque chose. Ça c'est pas grave. Je m'en fous. C'est la série la plus thug au monde, les amis. Comment t'as remarqué? Mais mec, normalement, tu sais qu'on va dans les dimensions même avant d'être au stuff. Donc, normalement, quand t'as hors spawn, tu fais pas ta maison dans l'overworld. Ouais, mais moi je l'ai fait, tu vois. Moi je suis un thug. Parce que dans l'overworld, t'as pas de minerai, t'as que dalle. Hop. Mais bon, pas grave, c'est ta série. Ouais. Alors. C'est juste que dans l'Overworld, t'as rien, t'as pas de minerai, t'as que dalle. Les amis, dans cet épisode, faut la bien un jour, faut aller chercher un fichu. Désert. Kraken. Non, désert. Non, désert. Okay. Hop. On va. J'ai bien envie de buter un Kraken, sauf qu'il faut aller dans les dimensions. Fait, voilà, je vais me mettre en fait. On va y aller par là. Ah oui, mais c'est vrai que le spawn de ton serveur est généré en vanilla. Oui, merde. Hop. Ah, ça fait chier ça. Bon, bref, du coup, on va aller dans un endroit. Est-ce que t'as déjà trouvé des donjons à Mantis? Des quoi? D'accord. Ah, ça te dérange si je reste un ou deux épisodes de plus? Ouais, ça me dérange. Parce que bien. J'ai prévu 3 épisodes max. Donc, voilà. C'est sympa. Ouais. Cool. Donc, on va essayer de trouver un désert. Oh, une grotte. Aïe, j'ai perdu la moitié de ma vie. Pas grave, ça sert à rien à manger. Oh, du titanium. Ça sert à rien, ça. Oui, je sais que ça sert à rien, mais ça donne de l'XP. Ah, je disais pas toi, je disais au truc, j'avais trouvé un truc en fait. Non, c'est bien d'avoir Steel Touch, sauf que c'est chiant, parce qu'après, faut le miner avec une pioche fortune. Et je viens de trouver un tank à Speedbug. Ok. Ah! Mec, d'après toi, ta série, elle va durer combien de temps? Je sais pas, c'est à voir.
Je pense qu'elle va durer au moins une bonne centaine d'épisodes. Oula, oula, oula. Parce que pour arriver à faire tout hors spawn, faut minimum 70 épisodes et puis plus les autres modes. J'ai réussi à tuer un speedbug. Slash time set de boom bitch. Hop. On avait dit qu'on quittait pas. Bah ça c'est pas du cheat, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal de faire Slash Time 7 Day. Ah mais oui. Ça enlève tout le fun des mobs, ça enlève plein de trucs. Ah bah c'est pas fun là de. Ah. Bah si, c'est fun d'avoir d'avoir 10 fois TQB mort en 5 minutes. Ah si, c'est fun. Et puis moi, tu vois que je suis en grotte, il fait nuit, il n'y a pas un seul mob. Attends, tu sais quoi en fait? Je vais me poser là. Elle a combien de durabilité la pioche en émeraude? Elle a que 1300. Putain, c'est nul. Ah! GG. Je suis en train de succomber. Ok. T'es sérieux? Un zombie avec une épée en émeraude? Oui, bien sûr. Ah bah, je viens de troller la maison. Allez, c'est reparti pour un tour. J'aimerais bien faire une série avec plus de 200 mods, sauf que de 1, j'ai pas de chaîne YouTube, et de 2, j'aimerais la faire en multi, sauf que j'ai personne. Ouais, la personne qui Si a un quelqu'un est PC. intéressé dans les comment si quelqu'un est intéressé dans les commentaires, dites-le. Ouais. T'inquiète pas, je te prendrai pas tes abonnés, hein. C'est pas totalement Ah, con. mais je m'en fiche. Hein. Il y a des raids hantes. Et j'ai pas envie de faire clic droit dessus, tu vois, mais je pense que je vais pas avoir le choix. Ah, mais pourquoi tu veux faire clic droit? Parce que c'est pour se TP dans la dimension. Bah, tu le fais pas. Bah non, justement, Mais voilà, tu le fais pas. Aïe, 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 il y a deux creepers qui m'ont explosé. Mec, t'as quoi comme armure, toi? Une tiger eye, un pink tourmaline, et voilà. Oh, c'est nul comme armure ça. Bah c'est plus fort que le diamant, genre, largement. Bah oui, mais le diamant c'est le minerai le moins puissant du jeu quand t'as hors-spawn. Voilà, quant à Genre hors-spawn. 10 points d'attaque sur une épée, c'est nul dans hors-spawn, tu vois. Allez. D'ailleurs, je comprends même pas à quoi ça sert d'avoir autant de diamants. T'es mort. Bah ouais, il y avait très légèrement 15 creepers. Ok. Alors. C'est X. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Tech? Oui. À quand un Top Gun? Un Top Gun, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Faudra d'abord faire un UHC d'abord. Bah, UAUAC et Top Gun, c'est la même chose. Non, pas du tout. C'est juste que dans Top Gun, t'as des taupes. Alors là, je viens de trouver un Ça fait quoi si tu spawner t'en à tiens? canard. Ok. Ça fait quoi si tu t'en tiens? Bah, c'est moi qui te tue. De toute façon, je serais déconnecté avant. Donc. Et de toute façon, tu connais bien la touche slash ban, toi, au pire. Hop, voilà. T'es sérieux le four en. Oh putain le four en diamant. Toutou. Et ouais, moi j'ai déjà tout fait Mec. presque. Et le four en obsidienne. Oh il est nul. Ah mais le four en obsidienne cuit deux choses d'un coup. Lol. Ouais, c'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur. Attends, t'as quoi comme four? Hop. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un furnace. Oui, parce que moi Bah oui, furnace. Furnace. le Netherrack Furnace, je suppose que tu l'as déjà testé et tu as dit qu'il était nul. Oui. Mais en fait, il cuit très lentement, sauf que l'avantage c'est qu'il n'a pas besoin de carburant. Oh.
C'est-à-dire que si t'as un stack de sable à faire cuire, tu le laisses pendant 2 ou 3 épisodes et puis c'est bon. Quand Donc même. j'ai des minerais. Donc je les fais cuire dans ton four en opsy puisqu'il est sympa. Alors je viens de trouver un mini, mais mini désert. Mais c'est vraiment mini là, tu vois. C'est la taille d'une petite île. Et il n'y a rien dessus. Il y a des crabes. Ok. Punaise, il est lent le four en opsy. Normal. Mais il est lent. Je peux te poser une question? Oui. C'est normal qu'il y a des crabes. Bah oui, c'est dans Hearthspawn. Mec, tu sais que dans Hearthspawn, t'as à peu près 500 mobs. Ah, ok. Et animaux. T'as 7 dimensions et t'as 500 mobs et animaux. C'est quand même beaucoup, hein. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des crabes. Ah mais il va falloir que je m'amuse avec les micro-blocs moi. Je vais aller voir ce qu'on peut faire avec Je sais pas si j'en ai déjà vu de ça en vidéo, mais ça me dit quelque chose. Du coup, on va aller le voir. Je vais te le montrer tout simplement. De quoi? Pas comment faire un micro-bloc. Ah, mais c'est simple, mais ça sert à rien. Bah si, ça sert à faire des trucs hyper jolis en déco. Ouais, mais pour moi, bah j'ai Ah déjà mais la ah oui mais maison. t'as pas mis le mode en question donc on peut pas le. Ouais, Ok. voilà. C'est pour ça. T'as tout compris, mon ami. Sinon il y a des cages. Ah oui, faudrait peut-être que tu essayes de faire des cages. Oh! J'ai retrouvé la richesse. C'est-à-dire. Oh! Non, 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 non. Non, rien. Ça va, Tech, tu t'amuses bien? Ouais, mais Attends, je vais me mettre en peaceful là. Ouais, du Stealing Goat. Yay. Voilà, ciao, peaceful, Une épée mano. en Ok. style. Ouais, ça fait que 8 points de dégâts, c'est nul. Alors en fait là, je viens de trouver la richesse, si tu voulais savoir. 9 points de dégâts. Ouais, du genre, la richesse, comment? Bah si tu regardes mes vidéos, tu sais à quoi je fais référence. Bah non, en fait. Bah tu devrais. Hop. Bah dis. Bah tu verras dans la vidéo. Ouh là là. Hop. Ah je prends tout, hein. Ouh là là, en plus on est en manque. Vas-y, prends tout, te gêne pas. Hop. C'est bon, on a des minerais en plus. Ok. Faut vraiment que t'installes le mécanisme, punaise. Du grand mécanisme, ça va t'ajouter à peu près 20 pages de trucs à faire. Oh, du titanium. Cool. Je suis en train d'en faire cuire, mec. Ah bon? Oui. Comment t'en as trouvé? Bah, parce que je suis parti miner. Ok. Bon, on s'en fiche de ça, hein, de ce que je viens de miner là. La richesse, bon. On en est à combien de minutes d'épisode? Je sais pas. Mais Ouais, je on sais va peut-être pas. s'arrêter là, non? Ça devrait même pas faire, je sais pas. Bah dans le Oh, doute, on va rester encore 2 minutes. un lézard. Oh. Ah mais ils attaquent même pas les lézards. Pas cool. Encore, j'ai encore trouvé la richesse, mais je suis un bonhomme, je suis un boss. Mec, tes plantes ont un peu poussé, genre un peu. Eh ben cool. J'ai trouvé encore du titanium. En Titanium. fait, Tech, Oui. est-ce que ça te dirait de faire une série mais en vanilla? Avec toi? Ouais. Si tu veux, mais en vanilla. Non, parce que sur les nouvelles snapshots de la 1.9, il y a des trucs qui sont vraiment sympas en vanilla. Ça en ferait une bonne série. Bah si tu veux.
Ok, bien évidemment, je te prêterai. Je te prends quel serveur pour le faire? Ben, un de tes serveurs à toi, si tu veux. Tu sais, les mecs qui causent de ça en vidéo. Normal. Ça fait 2 minutes. On peut se quitter là? Si tu veux. Ok. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et ciao, bye, tout le monde. Peace. Non, attends, 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 attends. Mais c'est urgent là, en fait. Mais bon. Mais... Allez, ciao, tout le monde.